Est-ce que Neymar Junior sera encore un joueur du PSG la saison prochaine? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar Junior, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les gars, Neymar Junior, est-ce qu'il sera encore un joueur du PSG la saison qui va commencer là? Pour moi, je le pense. Pourquoi je le pense? Parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Parce que c'est un mec dont la plupart des clubs, des grands clubs en Europe, n'en veulent pas. Du coup, donc, quel grand club va supporter le salaire de Neymar? Quel grand club va supporter le salaire de Neymar? Il n'y en a quasiment pas. Je ne vois pas le Bayern supporter le salaire de Neymar. Je ne vois pas Chelsea supporter le salaire de Neymar. Je ne vois pas City supporter le salaire de Neymar, sachant que c'est un mec qui joue environ 50% des matchs. Donc, il n'est pas toujours top. Il n'est pas toujours disponible pour jouer les matchs. Il est régulièrement blessé. Quel club va mettre de l'argent sur Neymar, sachant que c'est un mec qui est quasiment blessé? Donc, pour moi, il sera encore au PSG la saison prochaine. Pour moi, c'est presque inéluctable. Pour moi, c'est presque inéluctable. Neymar est rentré des vacances. Il a repris l'entraînement et son état de forme inquiète le staff médical du PSG. Comme d'habitude, il est revenu en surpoids. Il est revenu en surpoids. Donc, Neymar, les gars, je trouve que c'est un mec qui a fait son temps, notamment au Barça. Et lorsqu'il est arrivé au PSG, les premières années au PSG, je trouve qu'il était motivé, etc. Mais après, c'est parti en sucette. C'est parti en sucette et c'est un mec vraiment dont le PSG doit tout faire pour s'en débarrasser. Mais dommage, il a un salaire mirobolant. C'est ça le bémol, les gars. C'est ça l'inconvénient. Il a un salaire mirobolant. Quel club va prendre Neymar avec ce salaire? Il n'y en a pas. Du coup, donc, moi, je vais rester au PSG jusqu'en 2027. C'est dommage, mais le PSG va devoir faire avec lui. Le PSG va devoir faire avec lui. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois Neymar finir sa carrière au PSG? Est-ce que tu le vois rester jusqu'en 2027? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.